Alors, les travaux qui ont été menés sur Marennes-Oléron maintenant se développent et progressent autour d'autres pays. Là, on est en train de travailler sur un autre pays, celui de la vallée du Lot. Et en gros, avec le même type de réflexion, c'est comment sur des territoires principalement ruraux, les collectivités territoriales, en particulier les intercommunalités, qu'il s'agisse de communautés de communes, d'agglomérations ou de pays, s'organisent pour mettre en place leur politique de jeunesse. La deuxième, c'est à qui s'adressent ces politiques. Et la troisième, c'est de poser la question de savoir finalement quelle est la place des jeunes dans les politiques qui sont mises en œuvre. Voilà, grosso modo. Alors, il y a plusieurs enseignements qui ont trait à la fois à la question, je dirais, de l'organisation et de la gouvernance à proprement parler de ces politiques. Par exemple, ce que l'on tire comme conclusion un peu générale sur les deux territoires, c'est que, d'une façon générale, les politiques en direction des jeunes s'arrête à l'âge de 16 ans et qu'il est extrêmement difficile après d'imaginer que des politiques publiques concernent des tranches d'âge plus importantes, sachant que beaucoup d'élus, comme des professionnels de jeunesse, considèrent que soit effectivement les jeunes poursuivent des études et les poursuivent en général hors du territoire, soit ils sont pris en charge par des structures comme les missions locales et qui les aident à trouver un emploi, se qualifier ou être orientés. Et donc ça, c'est une première observation. La deuxième observation, c'est que finalement, si vous voulez, sur ces territoires, il y a tout de même peu de possibilités pour les jeunes de travailler parce que ces territoires sont relativement pauvres en ressources et en termes d'emploi. Que les formations ne sont pas adaptées ou qu'elles sont de faible niveau, et que donc les jeunes sont obligés effectivement de partir du territoire, que très souvent ils ne reviennent pas sur ce territoire parce que elle n'est pas en capacité effectivement, les communes ne sont pas en capacité de proposer des emplois et qu'il n'y a pas suffisamment de dynamique en termes d'emploi, en termes d'employabilité. Voilà. Troisième élément, c'est que si vous voulez, malgré tout cela, il existe une véritable vitalité associative sur ces territoires et des jeunes qui n'hésitent pas à participer à la vie associative et à s'engager. Sur un de ces pays, le pays de la vallée du Lot par exemple, les jeunes qui en avaient assez de considérer qu'ils n'avaient jamais le droit à la parole sur les politiques des concernant ont créé un mouvement, le mouvement Jeunesse, qui a comme objectif de redynamiser le conseil de pays auquel ils ne participaient pas. Qui a comme objectif également de créer une banque associative pour permettre à des jeunes de réaliser des projets. Et que donc, c'est un aspect un peu très abouti des jeunes ruraux, c'est-à-dire que même s'ils pensent quitter le territoire, ils sont tout de même très investis sur un certain nombre de missions et ils n'hésitent pas à s'engager sur l'avenir de ce territoire. Voilà un petit peu quels sont, à grands traits, les travaux sur lesquels on travaille à l'heure actuelle et ce que l'on peut en conclure.